Salut à tous, c'est Aurélien de la chaîne Tech and Games et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur The Crew 2. Donc c'est un gameplay en fond pour vous parler de trois véhicules futurs de récompense platine du Summit. Donc potentiel, hein, ces trois véhicules potentiels, ce sont des suppositions. Alors il y en a deux, c'est quasiment sûr qu'on les aura. Il y en a un, c'est plus une supposition mais qui est très probable d'arriver. Alors le gameplay que vous allez voir là, c'est normal que vous voyez icône de sang et tout parce qu'il est plutôt vieux, hein. C'est un gameplay des courses de la semaine, donc voilà le pourquoi du comment. Donc aujourd'hui ce sera pas une très grosse vidéo, hein. Je pense pas qu'elle fera plus de 5-6 minutes, donc bref, on verra bien. Alors le premier véhicule qui est faisable qu'on ait en véhicule de récompense platine, c'est l'Audi RS5 Golden Gem. Donc c'est le nom qu'ils avaient donné. Donc bon, ça on sait que ce sera quasiment sûr parce que avant le 24 avril même, pour la mise à jour de The Crew de Hotshot, on avait eu un petit trailer, une sorte de petit teaser de plusieurs voitures. Donc il y avait eu la Mitsubishi Red Fury qu'on a eu au Summit, c'était le premier Summit. Après on a eu la Bugatti Divo, donc ça c'était pas un véhicule de Summit. Et après on a eu aussi du coup l'Audi RS5 Golden Gem Edition, donc une Audi complètement en or avec un capot carbone je crois. Vous aurez des photos et aussi pneus en or et fumée en or là, donc les fameuses pétales en or qui font un certain bruit. Donc c'est une voiture qui sera juste différente esthétiquement, mais bon, c'est toujours cool à prendre. Après c'est peut-être fait pour gagner un petit peu de temps et tout, mais bon, au moins ça fait toujours un véhicule. Donc sur quel genre de Summit ça pourrait arriver, ça j'en ai aucune idée, mais vraiment aucune idée. Je verrai pas le thème sur quoi on pourrait le foutre. Alors ensuite, le deuxième véhicule qui encore une fois est probable d'arriver en récompense platine, mais on sait quasiment sûr à 100%, c'est la Ford Fiesta, non la Ford Focus, voilà la Ford Focus, alors on sait pas trop vraiment ce que ce serait en termes de catégorie, mais je pense que ce serait une drift, donc ce serait la Blue Storm Edition. Donc là encore une fois, on a eu un teaser comme pour l'Audi RS5, et donc on voit que elle a un livret assez spécial, cette Ford Focus. Donc bon, c'est un singe, etc. Mais bon, ça on s'en fout du livret. Et il y a enfumé des pneus, les éclairs bleus. Donc c'est pas dégueu, voilà. Enfin, c'est encore une voiture un peu folklore. Et donc voilà, je pense que ce sera une bonne voiture. Alors moi je pense que ce serait plus une voiture qui irait en drift, je pense, hein, vraiment. Et donc si c'était ça, justement ça pourrait faire un Summit spécial drift avec que des épreuves de drift. Et moi franchement, si on aurait que des épreuves de drift sur un seul Summit, comme on a eu là pour le Demolition Derby, ça ne me dérangerait pas du tout, parce que le Demolition Derby par contre là j'aime pas, je déteste ça. Mais bon, ils nous ont bien mis quand même tout le Summit en Demolition Derby, alors pourquoi pas nous faire un jour un Summit avec que des épreuves de drift. Là ce serait vraiment cool, et c'est là aussi que vous verriez sûrement les plus hauts scores de l'histoire du Summit, parce que on serait facilement, moi y compris, à 1 500 000 le score de Summit. Ah, ça risquerait de tryhard, hein. Mais bref, donc voilà, moi je verrais comme ça pour la Blue Storm la gagner dans un Summit de drift, je pense, parce qu'elle serait en drift. Enfin, c'est encore des suppositions, hein, bien sûr, ce ne sont que des parenthèses, avant, il faut mettre des gros guillemets entre tout ça. Mais en tout cas, c'est sûr qu'on les aura un moment ou un autre. L'Audi RS5 Golden Gem et la Ford Focus Blue Storm en voiture du Summit. Et la dernière dont je vous parlais, donc vous l'avez sûrement vu sur la miniature, elle n'est pas sur le jeu, elle n'a jamais été annoncée. C'est l'Alpine A110, donc la nouvelle Alpine A110. C'est une voiture française, donc déjà vu que c'est des développeurs français, ce serait logique qu'un jour elle arrive. Et puis c'est une voiture plutôt cool, donc j'aimerais qu'elle soit là. Mais surtout, pourquoi je pense qu'elle pourrait arriver en voiture du Summit comme ça, ou alors même tout court sur le jeu, ce serait faisable que ce soit pas une voiture du Summit, mais je pense qu'elle pourrait arriver en voiture du Summit. Pourquoi? Parce que quand on regarde, donc
À l'heure où je tourne cette vidéo, le summit allemand n'a pas eu lieu, donc on sait pas c'est quoi encore le prochain summit après le summit German machin. Donc du coup, en summit spéciaux comme ça, avec une voiture à gagner en platine, on a eu le premier, donc je sais plus le nom qu'il avait, mais c'était un summit spécial Japon, donc au thème japonais, avec à la clé la Mitsubishi Red Fury Edition. Ensuite, deuxième summit spécial, donc c'est un summit spécial italien, avec à la clé une Lamborghini Huracan Performante. Et la troisième summit, summit spécial allemand, avec à la clé une Porsche Cayman GT4, je crois Wasp Edition, donc ça va être juste une édition physiquement différente, je pense. Mais en tout cas, voilà. Pour l'instant, il y a eu que le troisième n'a pas encore eu lieu des summits du mois, mais on connaît que trois summits pour l'instant du mois avec les trois récompenses. Et bah, ça a toujours été un thème par pays. Le premier Japon, le deuxième Italie et le troisième Allemagne. Et à chaque fois, bah forcément, la récompense, c'était un véhicule japonais, un véhicule italien et là, un véhicule allemand. Donc je pense qu'un jour, vu quand même, on est sur des développeurs français, hein, quand même, que ce serait faisable d'avoir un summit spécial français. Thème français, forcément. Où du coup, les voitures à utiliser seraient françaises, forcément. Et donc si c'était le cas, ça ferait un summit plutôt varié quand on y pense, car on a quand même des voitures françaises un peu partout dans le jeu, même si on n'a pas beaucoup. On a les Bugatti pour les hypercars, donc il y aurait pourquoi pas 2-3 courses d'hypercars, ce serait même mieux. Après, il y aurait peut-être une ou deux courses de street race, vu qu'on a la Renault Mégane RS. Et après, ils compléteraient ce qui manque avec du rallycross et du rally raid, parce qu'en rallycross, donc c'est ici des voitures de rallye, quoi, mais sur les terrains qui tournent, hein, pour ceux qui savent pas c'est quoi. Vraiment simplifié, c'est expliqué, hein, je sais quand même c'est quoi, mais voilà, je l'explique simplement. C'est donc la Citroën qu'on a, donc je crois que c'est la C3, ouais, la C3, donc on pourrait faire du rallycross, et on a en rally raid le Peugeot 3008 édition Dakar, donc de quoi faire. Donc franchement, s'il nous faut un summit français, il n'y aura pas trop de répétition d'épreuves, vu qu'on a quand même 4 disciplines différentes rien que là, en voiture française. Et puis du coup, à la clé, en récompense platine, top 3000 mondial, il faudrait pouvoir avoir l'Alpine A110. Je pense que ce serait tout à fait faisable, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je tiens juste à faire une petite parenthèse sur la conduite qui est vraiment nulle à chier là, du gameplay, mais bon, c'était il y a longtemps, ça va, on s'en excuse. Mais voilà, du coup, je pense que l'Alpine A110 est tout à fait probable à arriver sur un summit français. Donc pour récapituler un petit peu, voilà, donc prochain véhicule où on est sûr à 100% quasiment qu'elles seront en récompense summit, il y aura la Audi RS5 Golden GM Edition et la Ford Focus Blue Storm Edition. Donc quand elles arriveront, on ne sait pas. Sur quel thème de summit elles arriveront, on ne sait pas non plus, mais on sait qu'elles arriveront un jour ou l'autre. Et ensuite, grosse supposition, mais qui est tout à fait probable avec ce que je viens de vous citer, qu'elle apparaisse sur le jeu, hein, ce serait vraiment pas étonnant qu'elle apparaisse, c'est l'Alpine A110, donc la récente, parce que ça m'étonnerait qu'ils mettent l'ancienne, quand on regarde, c'est pas leur genre aux développeurs de mettre des anciennes voitures, hein, sauf deux, trois, enfin quand je parle d'anciennes voitures, je parle de voitures, on va dire comme ça, sportives, des petites sportives comme ça, de l'époque. Quand on regarde 70, 80, 90, il n'y a vraiment pas sur le jeu. Il y a en dessous les années 60, etc. Mais 70, je crois qu'il y a 2-3 Mustang, mais après 80, 90, c'est rien. Et 70, il n'y a déjà rien du tout, quasiment, à part des Mustangs, donc voilà. Bref, voilà, donc du coup, au final, là, je vois qu'on est déjà à quasi 10 minutes, on a même dépassé les 10 minutes. Donc, au final, je parle vraiment trop dans les vidéos, c'est officiel, hein. De toute façon, vous le savez, que ce soit moi ou Tom, le deuxième membre de la chaîne, on parle toujours pendant... pour rien dire, la preuve, là, je suis en train de le faire, hein, je sais même pas pourquoi. Enfin bref, voilà. Donc je le répète encore pour certains qui n'auraient pas compris le titre, ce sont
que des suppositions, hein, ces trois voitures de Summit, même si on a deux, voilà, encore une fois, je leur dis, où on est sûr, et une qui est une supposition, vraiment. Donc c'est faisable qu'il n'y ait pas du tout ces véhicules, hein. Enfin, l'Audi RS5, la Ford Focus, oui, mais c'est faisable qu'il n'y ait pas du tout l'Alpine A110, hein. Mais bon, je pense que c'est très probable avec ce que vous avez dit, etc. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à liker, hein, le petit pouce bleu qui fait plaisir. Tu peux commenter, tu peux même d'ailleurs me dire ce que t'aimerais avoir comme véhicule du mois. Bah prochainement qu'on a dans le top 3000, je rappelle, c'est ça le concept du Summit spécial du mois, c'est top 3000 récompense platine, tu as un véhicule unique que tu auras que là-dedans, donc c'est ça le concept. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires des véhicules que vous voudriez justement à gagner que là-dedans, des bons véhicules, etc. Bref, voilà, donc bah tu peux t'abonner si c'est pas déjà fait, activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos. N'hésite pas à checker le Utip en description pour nous soutenir, ça prend 20 à 30 secondes, c'est gratuit, ça nous fait plaisir et ça nous aidera à faire un peu plus de vidéos unboxing et acheter du matos et tout ça. Donc bref, voilà, allez. Moi je te dis à la prochaine pour plein d'autres vidéos sur The Crew 2, je vous ai préparé des petites choses sympathiques, et ciao ciao, allez bye.